Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 40 de Stage 1, et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu Lego encore. Et donc aujourd'hui ce sera Lego Batman. Donc toujours le même principe des jeux Lego, hein, on refait des jeux mais sous forme de un peu plus enfantin, un peu plus comique. Donc voilà, la petite intro. Elle est plutôt sympa. Regardez, je vous laisse la regarder pendant. Vous allez voir, c'est sympa. Oui, donc voilà, c'était juste la petite intro tétée. Allez, donc petit chargement avec la petite chauve-souris. Voilà, donc Lego Batman, le jeu vidéo, on appuie sur une touche. Ils se présentent tous un peu de la même manière, les jeux Lego. Après, bon, voilà, l'histoire est différente. Donc c'est parti, nouvelle partie. Donc voilà, c'est à nous de jouer. Alors, on va regarder tout de suite les contrôles, parce que je les ai pas du tout configurés, donc on va mieux les faire. Alors attendez, hop 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 hop, elle est à gauche, donc on va à gauche, à droite, on va à droite, en haut, on va en haut, en bas, on va en bas, ouais, parce que j'aime pas trop les, hein,
J'aime pas trop QSDZ là. Ouh là là. Spécial. Donc on met X, sauter espace, en action, on met W. Et là, il faut mettre une touche. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il faut que je mette une touche à aucun. On va mettre, je sais pas. Voilà. Allez, confirmé. C'est parti, on retourne jouer. Ça sera déjà mieux parce que dis donc, je vais pas y arriver sinon. Alors, vas-y. Donc, oula, on se fait attaquer direct. Donc, contrairement à. On va dire à Harry Potter qu'on avait testé, là, on a carrément des ennemis qui nous courent après, faut les taper. Donc, c'est un peu différent. L'autre, on avait rarement comme ça des ennemis qui venaient. On avait de temps en temps certains ennemis, mais bon, avec la baguette et tout, hein. C'est surtout des trucs à faire, des casse-têtes à trouver. Voilà, donc là, tout était un peu indiqué, hein. C'est pas non plus des pièges. Là, il y avait une manette, elle était grosse comme le nez. Voilà. Donc on reconstruit avec la touche d'action spéciale. Ce qui nous donne plein des pièces. Les pièces, on retrouve, comme je l'avais dit, c'est toujours les mêmes. Donc les pièces dorées, argentées, bleues, hein. Il y en a même des violettes. Hop là, donc la touche spéciale, j'ai testé, ça a attiré le grappin de Batman. Hein. On retrouve les éléments de Batman comme on les aime. Hop là. Donc là, la manivelle. Il faudrait que j'essaye d'aller choper ça là-bas. Non, j'y suis pas arrivé, bon, c'est pas grave. On le laisse. Alors, on a récupéré un petit item. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. On va continuer. Hein. Alors là, il y a quelque chose. On peut monter. Vas-y, hop hop hop. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent là? Fil funambule. Il faut sauter. Hop là. Donc on saute. On voit toujours Robin qui ramasse même pas les pièces. Il passe dessus, mais il le ramasse même pas. Un signe au changement de. Trouve leur emblème dans les signaux. Appuie le moins sur W pour entrer. Puis relâche pour balancer la batarang. Non, c'est pas là. Hop hop hop, oula, je me fais tirer dessus. Alors, on va vite passer. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un costume. Alors, il y a déjà un ennemi qui nous casse les bonbons là. Il y a un costume, ça fait quoi si je le prends? Ok, j'ai un truc dans le dos, on dirait un. Je sais pas. Ah d'accord. C'est quoi? Ce sont des charges, des bombes, on dirait. Oula, c'est quoi tous ces ennemis? Ma vie part en sucette. Allez, on. Et. J'ai pas trop compris encore à quoi ça servait, ça. Parce que du coup, j'ai plus mon grappin. Si, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai un truc dans le dos là. Ok. D'accord. Et appuie sur X. Non, d'accord. Donc là, je l'ai reposé. Ah, d'accord. Ok, d'accord, donc je viens d'appuyer, ça a fait sauter la bombe là-bas. Tout simplement. Non. Qu'est-ce que c'est ce mec là-bas? Ah, il me tire dessus. Ok, donc je peux monter et descendre de mon petit grappin. Est-ce qu'on peut aller le voir lui? Non. Non, je peux poser des bombes encore. Quand je fais manuellement. Ça fait rien du tout. Génial. Je dois avoir illimité, hein, je pense, au niveau bombe, j'en dois avoir un stock. Hein. Illimité. Ah, ce serait pas là-dedans qu'il faut les poser? Ah, attends. Chouf. Ils nous ont dit des machins argentés, là. Ah, bah voilà. Donc voilà, les bombes servent à ça. Ça, au moins, on le sait. Donc, il y en a une deuxième là-bas, on va aller voir. Hop. On s'éloigne. On fait boum. Donc, il y a des pièces, c'est sympa. Les pièces des cœurs. J'ai plus tellement de vie. Tu peux rechanger une dernière tenue en ressortant dans l'échangeur de tenue. Ouais, mais on va peut-être garder celle-là, je sais pas. Hop là, donc là, bon, le seul moyen de passer, c'était de faire sauter le camion. D'ailleurs, le devant a sauté après le derrière. Je sais pas pourquoi, il a attendu un peu. Voilà. Heureusement qu'on gagne des cœurs facilement quand on tape des ennemis, parce que sinon, je serais déjà mort. Même si on peut pas trop mourir sur ce jeu. Enfin, vous mourrez, en fait, vous réapparaissez en perdant quelques pièces. Du style Sonic, en fait, vous perdez vos pièces. Voilà, je viens de détruire la gueule à Robin. C'était pas forcément une bonne idée, mais. Ouais. D'accord, toujours des pièces. Ça, c'est rien.
Donc là, j'imagine qu'il faut en poser un devant. Voilà, bien. Voilà, boum. 4 cœurs, donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez plus grand chose, au moins vous récupérez votre vie. Alors, on a changé de scène, on a changé de scène. Où c'est qu'on est ? On continue, on est toujours dans la rue, il y a toujours des mecs à taper. On sait pas trop où on va quand même. Hein. Donc voilà, toujours des foireux de mecs qui atterrissent de partout. Ouais, en bas, je sais pas ce qu'il y a, on ira peut-être voir. Je sais pas, apparemment c'est bien en haut aussi. Il y a des ennemis de partout. Hein. Ils nous tirent dessus dans tous les coins. Ils font pas semblant. Et plus vous en tapez, plus il y en apparaît. On sait pas d'où ils viennent, mais ils viennent. Hop. Donc là, on retrouve quand même le fait de pouvoir détruire quasiment tous les éléments et gagner des pièces dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Donc, il sert à rien pour l'instant. Bah. On tape les ennemis parce qu'il y en a toujours un peu de partout. Est-ce que je peux pas te faire un truc, non? Ça, c'est pour. Moi, je peux pas poser deux. C'est, ouais, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Non, y a rien. Ok, on continue. ouais, sauf que là, je tourne en rond. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Ouais, une pièce bleue. Alors déjà, la pièce bleue, si vous y étiez pas allé, vous la voyez pas. Ah là, je peux réparer le truc, donc qu'est-ce que ça va me donner? Un échangeur de vêtements. Ah bah. Mais ça, c'est pour Robin, par contre. Hop. Voilà, Robin, il est devenu... je sais pas quoi. Ah, il y a un rond blanc qui est apparu là-bas. Mais bon, ici, ça sert à rien. On va aller voir. Donc ça fait sortir une machine. Ok, on contrôle la machine. Elle sert à quoi? À ramasser les pièces. Ou peut-être à aller là-dedans. Ah, peut-être à aller là-dedans, on va essayer. Voilà. Ah d'accord, on peut passer, c'est bon. On récupère des pièces, super. Clac, on enclenche. Pouf. Et pouf. Et la porte s'ouvre. Voilà, super magique. Allez. On va rester un peu avec Robin pour changer un peu. On va taper avec lui. Donc là, il y a l'air d'avoir des otages, non? Cette fille qui tourne le dos là, ouais, c'est des otages. D'accord. Ah, ça y est, cinématique. Ah non, c'était juste pour nous montrer que c'était le gros méchant. D'accord, gueule d'argile. Ouais, alors il fait mal. Il fait très mal. Voilà. Je réapparais. Alors, il est parti se planquer, l'enfoiré. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On nous tire dessus, il est derrière la grille. On va poser, pouf, une bombe ici. Et voilà. Donc, il est pas content, il a plus de cachette, il vient de prendre un coup. Ouais, est-ce qu'on va faire pareil ici? Voilà, donc il a plus de machin, ça arrête de péter la grille. Donc maintenant il est là-haut. J'ai toujours des ennemis, regardez, ces ennemis qui viennent toujours de tous les coins. Ah, je suis fait exploser une bombe sur la tronche aussi, c'est super. Pas encore à l'aise avec les contrôles. Est-ce qu'il faut faire une bombe ici aussi? Continue. Non, ça fait rien du tout. Regardez, ces ennemis, ils sortent de partout. Il devrait pas pouvoir y pop, c'est bon, on les a tués une fois. On va revenir nous casser les bonbons. Ah, regardez, il y en a encore. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, il n'y a rien derrière. Tiens, je découvre des trucs dans le placard. Il y a une brique rouge. Hop là. C'est un système comme les briques dorées, je pense, sur Harry Potter. On avait vu des briques dorées, si vous avez vu la vidéo. Et bah là, c'est les briques rouges. Je pense qu'il doit y avoir à récupérer un peu partout. Il doit y avoir peut-être 200... Là, je crois bien que ça sert à rien de tuer les ennemis, il y en a toujours autant. Alors par contre, comment je fais moi? Ah mais attendez, ah voilà, c'est comme ça. C'est avec le truc à distance. Ah, j'ai encore détruit Robin. Donc voilà, on le vise.
On va continuer. Ouf. Alors la caméra... D'accord, on l'a enfermée. C'était pas une caméra, c'est une sorte de machin qui souffle de la... Il est pas content. Donc voilà, le niveau, je pense, est terminé. On regarde la cinématique et ce sera fini pour ce niveau. Donc voilà, fin du niveau. Niveau terminé, jeu libre débloqué pour ce niveau. Du moins, on pourra y retourner en mode libre, c'est-à-dire après retourner n'importe quand. Grappin rapide débloqué. Ouais. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est les tenues. Voilà, on a gagné une tenue. Tenue tech. Ouf, est-ce qu'on pourra les réutiliser? Je pense que oui. Qu'est-ce que c'est maintenant? Alors les pièces aussi, ouais, parce qu'il y a un quota, si on arrive à récupérer 100% des pièces, alors je sais pas sur quoi ça se base, bah on a le grade, voilà, super-héros. Hein. Voilà, nombre de pièces au total de tout ce qu'on récupère. À chaque niveau, ça les cumule. Et avec ces pièces, on peut acheter des bonus après dans les bonus. Mini-kit. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Et ce sera tout donc pour Lego Batman. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.